Je dirais peut-être tout d'abord qu'on est quand même encore dans une crise économique, a priori. C'est l'argument que tout le monde avance un peu. Et le fait d'avoir des élections européennes à ce moment-là, avec une actualité qui a été tellement chargée ces dernières années, ça va compléter un peu. Les élections en général, c'est souvent le moment où on fait un bilan sur ce qui s'est passé les années précédentes, où on juge un peu les actions qui ont été faites. A priori, c'est ce qui va se passer, avec vraiment voilà, cette actualité chargée de l'Union européenne qui a dû agir, parfois dans la précipitation, et qui a dû mettre en place des choses qui sont parfois pas forcément bien passées. On a quand même une image un peu négative, je crois, de l'Union européenne aujourd'hui, avec ces gens qui la trouvent trop bureaucratique, par exemple, avec voilà, le pouvoir de Bruxelles qui prend des décisions, etc. On a peut-être encore en mémoire aussi la Grèce et le fait que on a sauvé la Grèce, mais ça veut dire que maintenant il y a des mesures d'austérité, etc. Enfin, il y a toute une ambiance, je crois, enfin, de moi ce que je ressens, une sorte d'atmosphère pesante enfin, à cause de la crise. Et donc du coup, ces élections européennes, ça va être aussi le moyen de voir quelle est l'opinion des gens sur l'Union européenne, précisément dans cette actualité un peu chargée. Moi, c'est ce que je vois avant tout. Après, les enjeux... Du coup, de la même manière, il y a les montées des populismes. Alors, c'est un vaste mot, hein, mais on y met un peu ce qu'on veut. Mais ce qui est clair, c'est que ce qu'on a connu, la composition du Parlement européen qu'on a connue, va probablement changer. L'équilibre des forces va probablement changer. Il y aura des partis peut-être un peu plus extrêmes. Et ça, c'est aussi un enjeu, parce que ça va à la fois, donc, c'est ce que je disais, montrer un certain état d'esprit en Europe, et puis en même temps, ça va aussi peut-être être une sorte de moyen pour l'Union européenne de travailler dans ces conditions-là qui sont probablement plus difficiles, et de voir comment est-ce qu'on peut arriver à faire des choses, à mettre des choses en place dans ce contexte-là.